You tout le monde, c'est DJ Lama et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur la Switch mais on est sur la 3DS. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une partie de. J'aurais préféré le faire en live, les gens, cette vidéo, mais je ne peux pas donc je vais me contenter de ça. Ce n'est pas si grave. Alors aujourd'hui nous allons jouer à un jeu Nintendo, donc vous vous demandez sans doute quel jeu Nintendo on va jouer, je vais vous montrer le jeu, voilà, donc si vous l'avez vu bah, dans la vidéo, vous allez voir. Donc oui, nous allons jouer à Pokémon Y, donc premier jeu 3D Pokémon, donc il est sorti en 2013, je ne me souviens plus trop la date, donc voilà. Je vais juste vous faire une petite pause parce que j'ai pas envie de vous montrer comment je vais mettre la cartouche vu qu'elle n'est pas dedans. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Donc, heureux des gens, donc comme vous pouvez le voir, Pokémon grec, désolé, j'arrive pas trop à voir mon écran vu que j'ai que mon écran de tablette. Vous voyez mon doigt là, je vais pas avancer. Ouais. Donc voilà. Donc, vous vous dites sûrement que tout le monde l'a terminé, oui, c'est vrai. Tout le monde a terminé ce jeu, mais moi j'ai failli terminer, sauf que il y a eu un petit problème et puis j'étais obligé de recommencer toute la partie. Donc voilà. Bon. Donc, on y va. C'est parti. Excusez, je vois pas tout. Il faut vraiment que je me baisse. Il faut juste que je tape un code. Et c'est parti. Ouais, il faut carrément que je tape avec le doigt. Ok. Excusez-moi pour le petit problème. C'est parti. Je voyais encore mon doigt. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis sur ma tablette. Voilà. Désolé si ça fait pas le focus, c'est juste que c'est pas une très bonne qualité. Donc voilà. Donc je vous mets le son. Comme je vous l'ai dit, je recommence la partie français. Commencez. Donc il faut savoir que ça fait nous, toujours, ça fait presque. Voilà, je vais vous montrer les petites images ici. Zoomer, attendez. Et moi, autant si vous vous demandez où est-ce que j'en étais avant que je supprime tout, et ben moi j'en étais à la quatrième arène. Donc, que j'essaie toujours de retrouver, mais bon. Créé par Game Freak. Donc voilà. La raison, je me souviens plus trop des noms des Pokémon, donc vous. La caméra et avancer un peu ma DS. Voilà. Je vous retrouve juste après quand j'aurai bien ajusté ma console. Et re encore les gens, donc c'est bon. Alors, je viens plus tard. Je vais encore un peu avancer parce que sinon vous êtes obligé de mettre start. Je vais un peu me mettre là parce que sinon j'ai un visage. Alors, excusez-moi si vous voyez pas très bien, parce que, en fait, je n'ai pas une caméra de grande qualité, pas comme sur mon téléphone. Donc, c'est pour ça que c'est pas si... Bon, voilà. Ouais. Pour ceux qui arrivent à voir et à lire. Donc, il dit ce nom des Pokémon de créateurs appelés Pokémon. Là, on voit presque tous les Pokémon. Presque, je dis bien presque.
Et comme je voulais vous dire, les gens, j'aurais voulu faire ce début de let's play en live, sauf que, comme je vous l'ai dit, je suis sur ma tablette. Et puis sur ma tablette, je peux pas faire les lives, malheureusement, c'est hyper dommage. Je ne peux que le faire sur mon téléphone, donc voilà. Donc là, il faut que je choisisse un personnage. C'est hyper logique, je vais prendre un garçon. Il faut savoir que ça a impressionné beaucoup de personnes d'avoir un jeu Pokémon en 3D, parce qu'il faut savoir que les anciens jeux étaient en 2D, et donc c'était pas trop intéressant. Voilà. Bon. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est Pokémon Y. C'est un super jeu, j'aimerais vous dire déjà, c'est un bon jeu, mais ça va. Il a quand même, il était au top 10 des meilleurs jeux de l'année 2013. Donc, là, il faut que je choisisse ça. Donc, moi, je suis comme ça. Et là, il faut qu'il me demande comment je m'appelle. Alors, je vous montrerai juste là. Donc, je n'ai pas envie de mettre mon nom Didier Lama, parce que ce serait un peu bizarre de mettre ce type de nom. Je vais juste mettre... Attendez, je vois pas si bien. Ah voilà. Comme je vous l'ai dit, je vois sur ma caméra. Ah, et j'aimerais vous montrer un truc qui était super cool. Regardez. Ce que j'ai bien aimé, quand on appuie, l'écran, le truc de chargement, c'est un... Voilà. Zach. C'est bien ça. Oui. Alors, il y a... Donc... Alors, le sketch, comme tout le monde, un monde incroyable de Pokémon t'attend, et tout ça, blablabla, et tout ça. On peut savoir après où est-ce qu'on va se trouver. Oh, alors il faut savoir que j'ai déjà joué à ce jeu, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà joué comme ça. Attention, regardez un truc. Il a osé nous piquer. Ouais. En plus, on dort même pas. Donc voilà, on se réveille, on a repris l'énergie. Une Wii, c'est une Wii U. Donc, comme vous pouvez voir, c'est écrit Wii U. Voilà, voilà. Mon miroir. Voilà, voilà, voilà. Bah, 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 bah. On va descendre, c'est parti. Notre mère. Il faut savoir que les mères d'un des différentes versions ressemble un peu, non. Par exemple, elle, c'est la mère de, j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom de la fille, mais bon, c'est pas si grave. Ah voilà, je me souviens, Serena dans Pokémon X et Y et Z. Donc, c'est parti. Donc, on va sortir un petit coup. Je n'ai pas le droit, mais je veux juste me promener. Bon, ouais, c'est pas important. On va changer. Donc là, vous voyez mes oreilles. Bon. Et pour ceux qui se demandent quel Pokémon je vais choisir, je vais vous montrer. Vu que vous ne voyez rien, ça sert à rien, j'attends. Et dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce jeu, si ça vous plaît, si jamais vous voulez voir un peu des trucs. Ben voilà. Donc oui, je ne suis pas trompée, elle s'appelle bien Serena. Moi les gens, je veux vous laisser vers la partie où on devra choisir nos Pokémon. Donc, voilà. Alors, dites-moi si ça vous plaît, vraiment, parce que ce jeu il est vraiment bien, parce que c'est le
C'est pas vraiment mon premier jeu Pokémon, c'est en fait le deuxième. Le deuxième. Pourquoi je vous dis le deuxième? Alors attendez, on va pas se dépêcher. Et la route 1. Oh, moi ça me fait tout bizarre de voir une route 1. Première ville, d'accord. On vient d'atteindre la première ville, ça a été dingue. Donc on est fatigué et tout. Et zap, par ici. Oui, je regarde à travers mon écran, mais bon, c'est pas grave. Ah, oh, c'est pas le moment. Et zap, par ici. Bon, vas-y, je vais y aller. Voilà, il reste. Il manque une place. Et où? Donc voilà. Donc on va un peu passer ça parce qu'on va passer vers la scène où on recevra notre Pokémon. Et je vais d'abord vous montrer le Pokémon. Et là, attention, c'est un truc super, c'est que c'est que dans ce jeu-là où on a choisi un prénom. Et ben on peut avoir un surnom. C'est ça qui est bien. Donc, attendez. Donc, il n'y avait aucun de ces surnoms que je préfère. Alors, je vais en choisir un. C'est parti. Donc, je réfléchis à ces gens. Alors, quel surnom peut y aller avec moi? Allez, vas-y, j'ai trouvé. Je vais mettre dix points. Ou non, attendez, je crois que je vais pas mettre de points. Je vais juste mettre DJ. Le surnom, c'est DJ, voilà. Alors, je vous remontre de plus près le petit truc qui tourne pendant le chargement. Je vous le remets juste ici. Voilà. Regardez bien. C'est ça qui a été bien. Voilà, il est multicolore. C'est ça qui est bien. On va remettre l'écran principal. DJ. Ouais. Donc, ils disent que c'est pour, donc voilà. Ah, là, c'est la scène que je préfère. Attention, là, on va devoir choisir un autre Pokémon. Attention. Donc, nous avons, premier choix, Fennec. Marisson. Grenouille. Donc, vous demandez sans doute lequel je vais choisir. Donc, je crois, donc, mon Pokémon préféré de cet animé. En fait, c'est un peu un rapport. C'est pas vraiment un rapport, mais c'est ce que je préfère comme Pokémon. Donc, je vais prendre. Attention, je vais vous dire comme ça. Je vais prendre Grenousse, c'est un type O. Pourquoi je prends Grenousse? Parce que c'est un Pokémon super cool. Déjà, premièrement, c'est une grenouille. Les grenouilles, je suis pas si fan, mais je suis fan de ce Pokémon. Oh, mignon, il est super cool quand il évolue. Parce qu'en fait, première seconde évolution corporelle, il est stylé. Je trouve qu'il est stylé. Et ce monde, et en plus, il est sa dernière évolution est sur le thème des ninjas. Et ça, j'adore. Et c'est pour ça que je vais prendre celui-ci. Et puis, je vais aussi prendre le même pour Pokémon épée. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'avais pas remarqué, je vous explique juste un truc. Oh! Oh non, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, zut! Oh zut! Non, c'est pas ça. C'est juste que... En fait, je voulais vous montrer ce qu'il y avait en dessous. Alors, déjà, il y avait un autre en dessous. Voilà, ça, pour avoir des amis. Il y avait aussi un autre que j'aurais voulu vous montrer. Ah, zut, j'aurais voulu vous montrer, mais bon, c'est pas si grave. Mais bon, donc, il nous demande un surnom. Nope. Pas de surnom. Je préfère. Alors, elle prend Fennec. Elle prend Marisson. Et... Il faut savoir qu'on aura un deuxième choix dans ce jeu.
Alors attention, ma tablette est en train de se décharger, donc je vais en rester là pour cette vidéo. Donc voilà. Bon. Les gens, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous plaît, si vous voulez encore une autre vidéo sur Pokémon Y, dites-moi dans les commentaires. Et voilà. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un autre let's play, par exemple sur un jeu. Par exemple, pour le moment, en jeu Switch, j'ai quelques jeux Switch, j'ai pas beaucoup de jeux. J'ai par exemple Sonic Force. Pour, si, vous me dites en commentaire, vous écrivez hashtag Sonic Force ou hashtag Super Mario Odyssey. Et je ferai un choix entre les deux. Mais Sonic Force, je suis en train de le terminer, donc je pourrais faire un live fin Sonic Force, donc si vous voulez. Donc, voilà. Bon, c'était la fin de la vidéo, les gens. Peace!